Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial solde, spécial produit gold, soirée gold Sephora, sur lesquels j'ai commandé, enfin les produits que j'ai commandé sur le site, les deux produits qui me manquaient dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale, cliquez juste ici si vous ne l'avez pas vu. Voilà, et également deux produits qui n'ont rien à voir, mais j'avais moins 25% dessus, et ce sont des éditions extra limitées. Je vous en ai parlé dans ma wishlist, c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici, parce qu'il fallait que je vous en parle absolument tôt. Si vous vouliez foncer dessus, si vous les vouliez, ces deux bombes atomiques. Voilà. Donc je commence tout de suite par les produits de la soirée Gold. Enfin, des produits que j'ai commandés avec le code spécial pour celles et ceux qui n'ont pas pu aller à la soirée Gold Sephora. Donc il y avait un code promo de moins 25% sur tout le site, tout produit confondu, même exclu et tout. C'était spécialement pour les personnes qui ne pouvaient pas aller à la soirée Gold Sephora. C'est vrai que c'est bien qu'ils fassent ce code. Voilà. Surtout que moi j'ai commandé des produits qui n'étaient pas dispo en magasin et qui ne seront, enfin en tout cas chez moi, pas dispo du tout, et dont un qui ne sera pas, enfin, qui n'allait pas être dispo en magasin du tout. Donc le produit c'est le Kat Von D, le Crush on Blush. Donc c'est le duo highlighter et blush. Et franchement, ça c'est une bombe atomique. J'ai déjà swatché ces produits. Il est trop beau. C'est un petit. C'est pas très grand. Ça permet de. Moi je trouve que c'est pratique à emmener partout. Voilà. Donc vous avez un blush, un highlighter là-dedans. Voilà. Donc c'est deux teintes magnifiques. Franchement, le blush et l'highlighter, ils sont magnifiques. Hein. C'est une édition qui est spécialement. Enfin. On ne pouvait pas la trouver en magasin, c'est pas disponible en magasin, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est le Gamma Ray pour le highlighter et le Nova pour le blush. Et donc ce sont ces deux produits là, ils sont magnifiques, franchement. L'highlighter il est sublime, le blush est très joli aussi. C'est un petit blush, un joli rose, un vieux rose. Enfin voilà, l'highlighter, un peu duochrome et le blush. Magnifique. Et donc moi j'avais mis dans ma wishlist du deuxième trimestre. Et bah là je l'ai enfin commandé parce que j'attendais la soirée Gold pour pouvoir me l'acheter. Et parce que moi 25% c'est toujours mieux. Et franchement je ne regrette pas mon achat. J'avais peur que le Nova soit trop foncé. En fait pas du tout. C'est trop joli. Franchement pour là à emmener en week-end. Mais vous emmenez juste ça. Parfait. Et le deuxième produit, c'est un produit de chez Laura Mercier. Alors, il y a des gens qui l'ont dans leur magasin. Moi, chez moi, il n'y a pas Laura Mercier dans mon magasin. Quelques petits produits, mais surtout produits teints. Il n'y a pas de rouge à lèvres. Et donc, c'était le velours extrême matte lipstick en teinte chill. C'est une teinte violette. C'est une teinte un peu spéciale, hein, mais magnifique. Donc, et comme Laura Mercier, il n'y a pas les moins 25% tout le temps dessus. J'en ai profité et c'est un très beau violet. J'en ai déjà un de velours extrême matte lipstick que je trouve très joli. Et donc lui, voilà, c'est clairement une teinte violette. Hein. Et il est trop beau. Voilà, voilà, tout à fait pour moi. Bah ouais, pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je vais pas y arriver. Je sais plus, je vous mettrai juste en dessous, en lien. Voilà, c'est le Huda Beauty. Mais celui que je voulais, celui que j'ai acheté à la soirée Gold, hein, tout simplement. Mais voilà, le Laura Mercier, franchement, il est trop beau. Magnifique, un très très beau violet. Et ces rouges à lèvres de chez Laura Mercier sont excellents. Donc voilà, j'ai pris que ça. Hein. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. J'ai pris que ça pour les produits avec le code promo Sephora spécial soirée Gold. Ensuite, et ben les deux produits qui n'ont rien à voir, mais ce sont deux pépites. Deux petites pépites. Il n'y a rien d'autre, non. Après, c'est que des échantillons. Deux pépites. Ce sont des blushs de chez Dior. Voilà. Ce sont des blushs qui auraient dû sortir avec la collection Wild Earth. Un peu édition, un peu. Voilà, savane, si tu veux. Et ils ont sorti deux blushs.
qui sont assorties un petit peu au rouge à lèvres. Donc ce sont des éditions extrêmement limitées qui sont disponibles que chez Nocibé, donc pour information. J'ai un code promo, j'ai un petit code là si vous voulez, un petit code qui est valable une fois par personne. Voilà, un petit code promo à partir du 30 juillet. Si j'en ai un autre, je vous le mettrai là. Voilà, d'ici là. Donc voilà. Mais je vais vous les montrer parce que je vais faire des photos. Normalement. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer une troisième vidéo là, si vous voulez. Normalement, j'ai déjà filmé une wishlist, j'ai filmé les favoris. Et j'anticipe, je filme ça. Et en même temps. Parce que j'aimerais bien profiter de mes produits, si vous voulez. Donc voilà. Normalement, j'ai pris des photos de ces produits au moment où vous verrez la vidéo. Et ça, voilà, moi j'ai utilisé un moins 25% pour avoir ces produits moins chers. Parce qu'ils sont quand même à une quarantaine d'euros, hein, 45 euros, quelque chose comme ça. Ça fait très cher, je crois que je les ai payés 30 et quelques. Ouais, 32 euros je pense. Ça reste cher, mais ça reste du Dior et ça reste une édition extrêmement limitée. Donc voilà, c'est pour ça. On fait les close-up, qu'on puisse voir un tout petit peu mieux ces deux pépites. Ils sont magnifiques. Ces deux blushs sont magnifiques. Je vais vous faire les swatchs, bien entendu. Voilà, les deux blushs, ils sont magnifiques. Alors oui, je suis pas très fan d'habitude de glow, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont magnifiques. Je pense que ça peut être très joli sur les joues. J'ai hâte de les tester. Et puis de toute façon, je vous les montrerai dès que je les aurai testés. Voilà, magnifique. Ouais. Et voilà, je voulais vous partager mes deux pépites. Et on va passer au solde. Donc là pour l'instant, j'ai que un produit soldé. Il y a des produits Sephora, j'ai pris trois trucs, hein, trois bricolettes. Je vous les montrerai dans la suite. Après j'ai pris des baskets. Ah, j'ai pris ce t-shirt de chez Armand Thierry. Voilà, et les roses. Oui, parce que j'avais pris un bleu et j'aimais bien. Et comme j'aimais bien le tissu, c'était confortable et tout, je me suis dit je vais prendre une autre couleur. Et il y avait du jaune, donc j'ai fait non. Il y avait du blanc, non. Et il y avait le bleu et il y avait ce rose. Et finalement j'ai pris en rose. Ça change un peu. Voilà, au moins on pourrait pas dire je suis toujours habillée en noir. Pas cette fois-ci. Ah bah non. Et donc allez, on passe au solde avant de dire n'importe quoi. Donc je suis passée au magasin Parfois. C'est un magasin qui fait que de la maroquinerie. Il y a quelques chaussures aussi, je crois. Et quelques bijoux. Mais ils font surtout de la petite maroquinerie. Donc sac, portefeuille, porte-monnaie, enfin voilà. Et des trucs vraiment pas chers. Et c'est ça en fait qui me plaît. Donc mon portefeuille actuel, c'est déjà un Parfois. Je l'avais acheté à Bordeaux parce qu'il n'y avait pas de magasin encore à Grenoble. Et là il y a un magasin depuis un petit moment, hein, quand même, qui est dans la gare de Grenoble. Et comme j'habite pas très très loin de la gare, je me suis dit bah tiens, si j'allais faire un tour. En plus c'est les soldes et mon portefeuille commençait à être abîmé. Ça fait quand même un petit moment que je me le traîne, ce portefeuille. Et il est quand même assez gros. Et là je me suis dit on va changer. Je me suis pris celui-ci, voilà, effet molletonné, j'aimais bien. Vous voyez pas, il restait pas grand chose, pourtant j'y suis allée le vendredi. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, je me suis pris ce portefeuille. Donc au lieu de 25,99€, il coûtait 17,99€. Voilà, après ça reste un prix, de toute façon c'est des prix. Hein. Et l'autre côté, en fait, vous avez des petits clous sur le côté, enfin entre les morceaux molletonnés. Je trouvais qu'il était sympa, comme ça, en noir. Et... je voulais du noir, c'était beaucoup plus pratique, c'est mieux, c'est plus passe-partout pour moi. Et donc vous avez une fermeture éclair. Et voilà l'intérieur. Ah ouais, il est bordeaux. Mais moi je m'en fous, hein, c'est un portefeuille. Hein. Donc voilà. Et donc là vous pouvez ranger toutes vos cartes et tout, je trouve que c'est super bien. Voilà, Parfois, si vous ne connaissez pas ce magasin, je vous mettrai le lien de la boutique Parfois sur le site. Voilà, et puis comme ça on pourrait le voir si vous avez un magasin près de chez vous. Et donc là c'est vrai que c'est bien parce que vous pouvez mettre des choses comme ça par transparence. Vos cartes, ça c'était important pour moi. De quoi mettre la monnaie et puis après de quoi encore ranger 2-3 petits trucs derrière. Voilà, et je trouvais qu'il était très pratique. C'est vrai que celui-ci ça me suffira largement en fait finalement. Et voilà, il n'était pas très cher et j'ai craqué là-dessus.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour l'instant en solde. Après je vais vous montrer, j'ai pris des baskets, bon le t-shirt vous l'avez vu, un pantacourt, mais bon c'est pareil, c'est un Armand Thierry, un pantacourt un peu turquoise. Voilà, je vous l'ai montré sur Snapchat, enfin vous avez vu la couleur. Après je vais pas faire un haul spécial solde vêtements, donc je vous montre le portefeuille parce que c'est tout petit et voilà. Moi c'est vrai que ma chaîne elle est pas trop basée sur la mode, donc bon. Si je vous montre un truc vite fait, voilà comme le t-shirt. Mais sinon voilà, je vous montrerai vraiment les baskets parce que c'est facile à montrer et c'est moins contraignant que les vêtements et tout, ça prend moins de place. Voilà, et puis bah, je vous montrerai aussi Sephora. Et voilà, j'aurais pas fait grand chose en solde. Hein. Non. Et puis si, je crois que j'ai commandé sur... Ah si, c'est Mac. J'ai commandé sur le site de Mac. Donc je vous montre ça dans la suite de la vidéo, juste après. Bon, on va se la faire à l'ancienne avec cette suite. Je ne suis pas maquillée des lèvres. Je crève de chaud. J'ai transpiré toute la journée. Je me suis pas remaquillée. Mais... j'ai un sac Sephora, plein de soldes. J'ai 6 colis comme ça de soldes. Ouais, donc bon, on va faire ça à l'ancienne avec un unboxing complet. Donc on va commencer par ce qu'il y a dans le sac Sephora parce qu'en fait il n'y a pas que du Sephora. Voilà. En fait je suis passée chez Kiko pour me prendre... deux poudres fond de teint compact comme ça de la collection Ocean Feel et j'ai repris la teinte 02 Medium Beige, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Sincèrement pour moi c'est les meilleures poudres qui existent. Voilà, c'est la teinte qui sur le site n'est plus disponible, donc comme c'était dispo dans mon magasin ce soir, parce qu'on est vendredi soir, voilà, je rentre du boulot, je transpire, mon maquillage ne tient pas du tout, ça se voit, j'ai transpiré, ça ne tient plus, mais je me suis dit je vais la faire à l'ancienne. Je rentre chez moi, j'ai acheté, j'ai rien touché, j'ai mon petit panaché, enfin un peu de pub pour Carrefour, panaché à la grenadine de chez Carrefour. Voilà, et je crève de chaud et j'ai extrêmement soif. Excusez-moi hein, mais d'habitude je le fais pas, j'aime pas trop quand les autres le font, mais zut. Bah moi aussi, j'ai envie de boire, donc je bois. Et voilà, je me suis dit, tiens, si je leur montrais tout de suite en rentrant ce que je me suis acheté en solde. Voilà, donc j'ai pris ça, ils étaient à moins 50%. J'en ai pris deux, ils étaient à 8,50€ chacun le 17, le 16,99€. Et comme ils sont géniaux ces fonds de teint, je les ai pris. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette collection, cliquez ici. Vous avez mon avis complet sur la collection de chez Kiko. Donc voilà tout ce que j'ai pris chez Kiko, c'est tout. Je suis passée chez Sephora parce que j'ai fait des commandes sur le site, mais je vous montrerai après en unboxing. Mais en magasin, je me suis pris des lingettes démaquillantes au concombre. Pas forcément pour me démaquiller, mais une copine à moi m'a dit tu devrais tester au moins pour te rafraîchir et tout, tu verras, c'est top. Donc bon, ça coûtait 2€, prix rond. Voilà, il n'y avait pas 10% supplémentaires. Hein. À la base, ça coûte 5,99€. Là, c'était à 2€. Je me suis laissée tenter. Ensuite, je me suis pris un pinceau duo fibre. Donc, c'est le diffuseur poudre numéro 44. Voilà, celui-ci, donc pinceau fibre. Il passait à moins 50%. Le de 25,99€, finalement, il passait à 12,99€. Et comme il y avait 10% supplémentaires sur les soldes, finalement, je l'ai payé 11,70€. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et bah voilà, il me fallait un nouveau pinceau duo fibre. Donc en espérant de pouvoir remplacer, entre guillemets, avoir un autre pinceau qui ressemble à celui de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça chez Sephora. Et un produit qui n'a rien à voir, mais comme il y avait une réduction, il y avait moins 20%, je me suis pris un crayon Urban Decay dans la collection des pailletés, la teinte Roxy. Donc c'est un bleu et voilà, c'est le seul truc qui n'était pas en solde entre guillemets. Mais voilà, j'aime trop ces crayons, ils sont trop jolis. J'ai déjà le rose gold et le violet et il manquait le bleu et le vert. Donc j'ai pris que le bleu, même si le vert il me plaisait bien. Mais le bleu, voilà, il est trop joli. Donc voilà, j'ai craqué pour le bleu. Mais ouais,
Je me suis laissée tenter. Voilà. Peut-être que je me prendrai le vert. C'est le dernier qui manquera de la collection des 4. Donc ça, c'était le produit non soldé. Et le crayon, à la base, il coûte 19 euros. Ça, c'était pour ce que j'ai acheté là, chez Sephora. Et maintenant, on va ouvrir les colis qui sont à côté de moi. Et dont un colis, c'est des baskets. Et un autre colis que j'ai déjà ouvert, c'est des baskets. Donc, c'est des soldes aussi. Donc, bah, c'est parti. Allez, colis numéro 1. Sephora. Je vous avouerai que je ne sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je sais à peu près, mais je ne suis pas sûre de tout. Alors, chez Sephora. Hop. Ah ouais, cool. Alors, je suis trop contente. Alors, j'avais pris un crayon Sephora, crayon waterproof en teinte, je ne sais plus, Snake Skin Dress numéro 17. Voilà, je me suis pris un crayon comme ça. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de faire vite. Un peu, on va dire, kaki. Moi, c'est vrai que les crayons, c'est trop mon truc. Ah, il est très, très, très joli. Voilà, il est là. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris quoi? Je sais même plus ce que j'ai pris. Ah oui! Alors, ça, c'est pas pour moi. C'est pour une copine. Donc, voilà, parce que c'était dispo que sur le site. Donc, je l'ai pris. Je vais quand même vous montrer. C'est un rouge à lèvres, le Give a Fig de chez Bobbi Brown. Le Crushed Liquid Lip. Et très très joli. Donc j'ai pris ça. Bon, ça c'est pas pour moi, mais comme je l'ai commandé moi, je vous le montre. Vous l'aurez vu. Et toi aussi tu l'auras vu. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, donc ça c'est chez Sephora. Autre colis, un colis comme ça. Les colis noirs, ce sont les colis de chez MAC. Eh ouais. Colis de chez MAC. Colis de chez MAC. Ah, ça va être trop cool. J'ai pris. Bon, ça c'est pas pour moi, mais je me suis pris le même. Donc je me suis pris le Extra Dimension Fold Eyeshadow Fard à paupières et le Shiny Pretty Shadow Fard à paupières de chez MAC. Donc j'ai pris la teinte Violite et la Joy 2. Voilà. De toute façon, je vais vous les swatcher. Trop joli, franchement, trop la classe. Et donc ça, je ne sais plus à combien c'était ce truc. Alors, lui, il était à 13,30 €. Voilà. Et lui, il était à 15,20 €. Donc, wow. Violite, il est trop magnifique. Waouh. Oh. Ah, ok, salut. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Hello. Vous voyez pas très bien, mais en vrai, c'est encore mieux. Oh, là, peut-être. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, vous voyez à peu près. Et il est magnifique. Donc, je me suis pris ça. Voilà. Ça fait longtemps que je m'étais pas pris de fard à paupières, MAC. Hein. Et le deuxième, alors là, c'est le Joy 2. Et lui, je le voulais trop. Je crois que lui, il était à moins 30. Et l'autre, il était à moins 40. Ouais, lui, moins 30, je crois. Et l'autre, moins 40. Bon, de toute façon, je vous mettrai les prix. Oh, trop joli. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Ah bah ouais ouais ouais. Hey, salut paillettes. Oh, trop beau. Bon, bah c'est cool. Deux fards à paupières pour Audrey. Donc ça c'était pour MAC. Ensuite, autre colis. Maintenant c'est Sephora. Autre colis. Ah oui, ça c'est mes vrais soldes. Ça c'est le premier colis que j'ai. Première commande que j'ai faite. Je me suis pris le masque comme ça. Et il est pas trop mignon. Franchement. Ah, j'aime trop. Le masque de nuit. Once upon a time. Chouette. Il est trop beau. Oh, j'adore. Bon, faut que je dois le défaire parce qu'il est vraiment bien attaché et tout. Il a l'air fort confortable. Donc voilà, parfait. Pour les vacances, ça sera très bien. Masque de nuit chouette.
Je me suis repris un dissolvant très doux de chez Sephora. Donc c'est un tout petit format, hein, c'est un 50 ml. Mais un dissolvant à l'extrait de pêche blanche et c'est vraiment top. Je sais qu'il est à moins de 1 € et c'est vraiment des dissolvants qui sont géniaux. Et je me suis pris le fard à paupières et fard à joues, le Lolita de chez Kat Von D. Donc moi ça sera fard à joues. Et parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ça a l'air très foncé. Peut-être. Très très foncé. Regardez. Quoique bien travaillé. C'est joli, hein. C'est pas mal. Un fard à joues bien travaillé, je pense que ça peut être pas mal. Donc je me suis pris ça, c'était édition ultra limitée. C'était en solde. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça c'est tout. Et le dernier colis beauté. Encore un Sephora. Et je crois que lui c'était... Lui est arrivé en Chronopost. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas demandé Chronopost. M'en fous Chronopost. J'ai pas besoin de Chronopost. Voilà. Et donc le dernier colis, ça par contre c'est un produit qui n'était pas soldé. Mais j'ai utilisé une réduction. C'est un Zoeva. C'est nouveau qui viennent de sortir, les enlumineurs. Et franchement, packaging trop classe. J'aime trop. Ça vient tout juste de sortir. Donc blush, éclat de lumière, blush. N'importe nawak, c'est pas un blush. En plus, il est dans la catégorie enlumineur. Trop beau le packaging. Hein. Oh ah ouais. Oh là 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 là. Je vous montre complètement. Voilà. Et voici la teinte, la Cinnamon Sky. Trop, trop magnifique. Oh ah ouais, il est trop beau. Regardez, est-ce que vous allez voir? Ouais, si, vous allez voir. Regardez comme il est beau. Ah ouais, non. Trop joli. Donc, et c'est ça dont je vous ai parlé dans ma wishlist, la dernière, là. C'est ce produit-là. Donc, voilà. Par contre, j'adore le packaging. Ça fait très classe, très qualitatif. Bravo Zoeva. En plus, c'est des produits qui ne coûtent pas très très cher. Ils sont à 18 €. Et moi, j'ai utilisé un moins 20% dessus. Donc, ça a passé. Ouais, très très beau cet enlumineur. Cool. Donc, voilà. Je suis tranquille pour un moment. Hein. Donc, ça, c'était pour le make-up. Et je vais vous montrer mes nouvelles baskets. J'ai pris 2 paires. Oui, je suis tranquille. Et donc pour finir dans les soldes, donc solde qui n'a rien à voir avec le make-up, mais parce que je basket. Suis une éternelle amoureuse de basket. Je me suis repris une paire d'Adidas sur le site de Amazon parce que je n'arrivais pas à retrouver ces baskets-là dans les magasins. Donc je me suis repris mes gazelles en noir. Donc moi je prends les juniors. Franchement, le prix des juniors sont... presque la moitié du prix des femmes avec la même pointure. Ce qui est complètement pas normal, mais bon bref. Donc moi je prends les juniors, pour info je fais du 38. Je prends les 37 1 tiers. Et donc ça c'est les juniors, les gazelles juniors en noir, en cuir. Voilà, parce qu'elles sont géniales ces baskets. Donc voilà, et comme les miennes étaient complètement éclatées, bah, je me suis repris mes gazelles. Donc ça, je les ai prises sur Amazon. Et... je me suis pris un colis. Donc je me suis fait plaise. Là, je me suis fait plaise. Je me suis fait plaise chez DC Shoes. Ouais, parce que franchement, elles sont pas trop belles. Franchement, 38,50 € la paire de baskets. Ouais, donc voilà, je me suis pris les DC Shoes. Donc ce sont les Chelsea. Voilà, de toute façon je vous mettrai la référence en dessous avec la avec le lien pour que vous puissiez voir. Pareil chez les juniors. Et là j'ai pris cette fois-ci un 38. Donc Chelsea jeune fille. Voilà. J'aime trop, la semelle elle est rose fuchsia. Donc voilà, je me suis pris les DC Shoes. J'ai flashé sur cette paire de chaussures. Donc voilà pour mes soldes.
Je pense qu'il y aura un autre haul, mais sûrement fin juillet ou début août, sur le reste des produits que j'ai achetés en solde, parce que j'ai racheté d'autres produits. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, donc voilà, j'ai fait simple. Déjà, la vidéo va durer très longtemps, encore celle-ci. J'essaie de faire pas trop long, parce que c'est un peu pénible pour vous. Et voilà, puis moi, le montage, je mets un peu de temps aussi, donc voilà. Et voilà pour l'instant ce que j'ai acheté. Donc dites-moi ce que vous avez trouvé en solde. Je pense que je n'achèterai pas d'autre chose, sauf ce que j'ai déjà commandé, qui va pas tarder à arriver. Mais bon, quand je posterai la vidéo, donc ce sera pour mardi, ça sera pas encore arrivé, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous avez trouvé en solde. Personnellement, les soldes cette année, c'est pas la folie furieuse. Je me suis plus basée sur les chaussures et les vêtements, parce que voilà, ça c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus utiles entre guillemets que le maquillage, n'est-ce pas. Je me suis quand même refait du stock sur certains produits, parce que les fonds de teint et tout, moi j'en mets tous les jours, donc ça je sais que je les termine. Et les pinceaux, j'en avais besoin, donc je n'ai pris qu'un, mais j'avais besoin de pinceaux. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous avez trouvé en solde, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.